Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jonas et Anna Preston Westerman. Ouais, je sais, je parle rapide. Je suis comme ça pour une vidéo. Quoi? Alors, juste ne faisait le pas ça. Et mettez plein de pouces bleus, désolé. Et donc, si vous aimez bien, parents, excusez-moi, ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux. Donc, on va, je suis désolé, mais on va tourner le téléphone. Même lui, il veut le tourner. Ouais, c'est vrai. Tourner. Donc voilà, je suis désolée pour aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, on va vous apprendre des hypercutes, des crochets, des comment bien lever la jambe. On va vous apprendre quelques petites... Transcendance Clinture. Ok, on commence tout de suite par l'hypercute. Comment esquiver une hypercute? Mets-moi une hypercute au ralenti comme ça, quoi. Vous allez pousser comme ça et remettre un coup de poing. Ok? Donc à moi de faire ma technique. Et regardez qu'est-ce que ça donne, l'hypercute. Rapide. Non, comme ça. Boum. Ok? Vous voyez? Donc c'est à moi de faire ma technique. Donc le haut, pour cette fille, on dort. Ok. Donc c'est pas grave, c'est mon cousin, c'est le frère de Jonas l'ananas. Et maintenant, on va savoir comment esquiver un crochet. Non. Déjà, je vais voir ma technique. Recule. Mets-moi un coup de poing, s'il te plaît. Bien joué. Parce qu'en fait, si vous mettez un coup de poing, moi, je chope la main. Et lui, s'il veut me mettre un coup de poing, moi, je fais ça, et je mets un coup de tête. Voilà. Ok. Donc, c'est à un autre tour de lui de faire son... technique. Sa technique. Donc, allez, on commence. C'est parti. Go, yo. Bon. Ok. Alors, en fait, si quelqu'un vous met un coup de pied, bah, c'est facile. Attention, quand arrive dans la place. Ah, mon pied. Allez, mets-moi un coup de pied. On achoppe le pied et boum. Après, comme il est par terre, vous montez sur lui et des petits clac, clac, clac. Okay. Non, en fait, rigoler. Donc, vous montez, ou comme il va choper son pied, vous le prenez et vous mettez des coups de poing, vous le mettez au sol, ou il prenait ses bras, ou vous faisiez comme ça, on dit attendez, mettez bras comme ça, on y prend avec son genou, on y bloque et on y met des coups de poing sur le visage. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Non, mais attendez, c'est. Excusez-moi, il y a des fois, il perd la tête. Donc, je vais vous montrer ma technique. Allez, en fait, après cette technique, on coupe la vidéo et c'est terminé. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, merci. Et allez. Là, on va vous faire voir c'est quoi, une hypercute, un crochet, et puis ben, comment bien taper, c'est l'échauffement. Voilà. Okay. Alors, comment faire une hypercute? Vas-y, mets-moi une hypercute. On capte, en fait, vas-y, mets-moi une hypercute. Tu arrêtes sa main et tu lui mets un coup de poing. Et donc après. Arrête ma main, vas-y. Ah, oh non, il m'a touché. Okay. Mais... Bon, vas-y, mets-moi des skips, comme j'ai dit. Vas-y. Hip, voilà. Ok, là, c'était technique de karaté, donc lui va me faire sa technique. C'est parti. Il m'a accroché comme ça, là. Hey, il est accroche. Bah, écoutez, il a allez, présent. Il accroche. Il accroche. Ah, bon, vous me dire, grand coup d'abdos. Oui, voilà. Mets-moi un accroché. Pour est-ce qu'il m'a accroché, vous s'abaisser. Vous relevez et du top qu'il est là-bas. Oh, bon. À une droite, ok. Mon cousin. Yeah. Bon, donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Soit mettez des points en plus. En fait, on a oublié quelque chose. Les échauffements, voilà. Allez. Alors, d'abord. D'abord, on va se battre tout doucement pour du chaud. Mais pas en plus qui tape fort. Il faut pas y mettre un pouce bleu. Ok. Allez, c'est parti. Échauffement. D'abord, vous secouez bien vos bras. Pour, ça. Pour bien donner, ok. Après, vous massez les épaules. Un seul échauffement. Il faut taper comme vous avez l'air de dire. Et excusez-moi, si vous se battez avec quelqu'un, il faut jamais mettre sa main comme ça. Toujours la garde comme ça et taper comme ça. Vous laissez votre main là et vous tapez comme ça. Parce que si vous faisiez comme ça et vous allez taper comme ça, vous, le garçon que vous allez se battre, il aura le temps que vous mettiez une droite ici. Alors, toujours la garde, comme le avant dire si vous faisiez ta boxe, toujours la garde comme ça. Non. Et tout. C'est comme ça. Oui, et comme là, ça. Et là, vous allez taper, l'autre il va venir, il va taper, vous allez faire ça, coup de poing. Ok. Okay. Et ça, en fait, c'est pour bien les coups de coude que vous dites boum, boum. C'est pour ça que ça sert à faire ça dans l'épaule. Et l'autre main aussi, il faut faire pareil. Parce que c'est pas suffit que vous tapez de la droite, qu'il faut et pas il taper faut de la pas, gauche, parce que c'est important. Il faut pas taper de celle-là. Il faut taper de celle-là. Par exemple, lui, il va mettre un crochet, et vous allez voir qu'il faut toujours laisser une main. Wow.
ici, il y a beaucoup de vent. Mal accroché. On se tape. Oh, mais moi, j'en ai. Hop, il faut toujours laisser une main. Bon, okay. Écoutez, on va se battre pour le port du faux. Là, on va, lui, il va pas bien la technique qu'il faut faire. Moi, je vais taper comme ça, il faut lui qu'il esquive. Ok? Donc, c'est parti. Assieds-toi, s'il te plaît. Allez. Ouais, mais assieds-toi. Donc, c'est parti. Hop! Et donc la vidéo vous aura plu. Merci, ciao. Un petit ciao, au revoir. Mettez-vous pouce bleu. Ciao, au revoir.